Mezzo Voce vous invite à pénétrer l'univers de la polyphonie avec le groupe Avilletta. Fondé en Corse il y a plus de 30 ans, Avilletta a su évoluer. Le répertoire présenté ce soir est un florilège de cette mue, des origines du chant liturgique et profane à des reprises de chants traditionnels, des œuvres contemporaines et des créations. Le groupe déploie une science de l'équilibre vocal. La palette de leur interprétation faite de nuances donne à leur chant un caractère tour à tour âpre et doux, violent et murmuré, qui fait de Avilletta une référence dans le monde de la polyphonie. Non. Hey.
ricordare Gesù présenté ce soir est un répertoire qui est un petit peu le reflet de ce qu'est l'activité, de ce que fut l'activité de la Villette entre 2000 et 2007 ou 2008. Bon, pour la majorité des chants, il s'agit d'un ensemble de créations, de chants qui ont été composés à l'occasion d'événements créés notamment en Balagne, chez nous à Calvi, autour du thème de la Passion. Il y a de larges extraits d'un Via Crucis, il y a des extraits de la Passion. Il y a aussi un certain nombre de chants que nous avons composés, encore une fois, au gré de rencontres. Il y a un hommage à la Géorgie, il y a... voilà, c'est un petit peu un éventail assez large, je dirais, de ce que le groupe a produit ces 10 dernières années. Et puis... il y a un certain nombre de chants qu'on a du mal à ne plus interpréter, qu'on a du mal à sortir du programme. C'est notamment des chants comme Soumis, il y a des chants comme certains chants traditionnels, notamment une monodie qui intervient en fin de programme. Alors, grosso modo, c'est le répertoire qu'on va présenter ce soir. Shari.
Oh,
Avilette a duré aussi longtemps, et si nous sommes après 30 ans plein de projets encore, je crois que ça traduit le fait que qu'Avilette est constituée d'individus, je dirais, qui s'aiment, qui s'apprécient, qui ont le sentiment d'avoir vraiment des choses à partager, qui vivent une vie commune. Je dirais, la vie que l'on passe au sein d'Avilette, elle est comme une vie en famille, quoi. Je dirais, elle est aussi profonde, aussi puissante, aussi envahissante aussi. Bon, je crois que ce qui explique cette longévité, c'est le fait que pour fonctionner dans un groupe comme le nôtre, au-delà de qualités vocales qui sont évidemment sans doute indispensables, un minimum de qualités vocales, mais je crois que c'est un groupe qui s'est bâti non pas sur la force ou la puissance ou la qualité de tel ou tel individu, de ses qualités vocales intrinsèques. Je crois que c'est un groupe qui s'est fondé sur une énergie qui prend sa source dans le vivre commun. Stay alive.
vide concibile à toi tous nous épousons coniades est un tonus contas discursus tuba mirum spargem solum per sepulcra regionum cacet omnes ante tronum. Restremende maiestatis Amen.
storia la sua, si vuoi mare, e la prima vinta si brama. Prima bronca si spera stanca, abile lente si On ne peut être que l'un par rapport à l'autre. Donc on est forcément dans une écoute qui est démultipliée. On est sans cesse, c'est un équilibre qui est très précaire. Et on est sans cesse, comme je vous le disais, sur le point de toucher quelque chose qui nous échappe sans cesse. Et donc il y a nécessairement le besoin de tendre à quelque chose qui est une espèce d'une sorte d'absolu qu'on n'atteint jamais, hein. On n'est jamais content de ce que l'on produit, et je crois que le jour d'ailleurs où on sera content de ce que l'on a fait, ce sera terminé. Vinti mi endu l'orientem foggia ladum. O tempu eatum. Figliolu della, si figliolu di meo, in era cedoni ugiada. Ti di ogni aspiterà, o tempo immagerà, figlio.
Le fait de travailler avec d'autres, à un moment donné, a fait que naturellement, on en est venu à l'écrit. Mais ce qui me semble intéressant, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas ce que l'on faisait avant qui était oral, et puis ce que l'on fait maintenant qui est tout à fait écrit. Il y a eu l'oral, il y a eu Médée, qui était une œuvre orale, mais tout en étant quand même écrite, c'est-à-dire qu'elle allait plus loin que la tradition orale, elle devenait, on passait forcément, fatalement, je dirais, par l'instrument, par l'harmonie, etc. Et on est passé ensuite à l'écrit. Mais aujourd'hui, on continue à composer des choses qui sont purement écrites, des choses qui sont purement orales et des choses qui sont écrites, mais que l'on rend orales, un petit peu comme on aurait fait pour Médée.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas, on n'est pas passé à quelque chose de forcément écrit. On avait un petit peu peur, justement, au passage à l'écrit, que de perdre une partie de notre bagage. Et je pense qu'on est arrivé naturellement, sans même en avoir conscience, je dirais, à prendre le chemin qu'il fallait, quoi. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Paner nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Sediste giunte l'aria, un affanno immorete, e soffati di mare, maru i visi sottanzo, e un santo e in quelle vire vai un incrudelito sbattuto a reso soon.
pour terre, mon mio. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se mettre dans le sens de la marche et aller vers des choses qui me semblent, a priori, les plus naturelles, c'est-à-dire, encore une fois, le vrai lien, un vrai respect, une vraie fraternité, en ce sens, se dire, on est là sur la même, sur le même bateau, sur la même galère, sur la même, dans ce que vous voulez, et quoi qu'il en soit, je veux dire, on est positivement, à mon sens, tributaires les uns des autres. Faisons en sorte de garder ça, d'entretenir ça, de cultiver ça. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que notre démarche, qui jusqu'à présent va dans ce sens, qu'elle ne se heurte pas à un monde qui oublierait tout ça et qui, de fait, condamnerait ce type de démarche. Beum cadis assoni, beha di afflitti francarano, beha di nune lentia dara carate. Maxime Villamier, grâce. Tchétché Aquaviva, basse. José Filippi, seconde et basse. Jean Sigourani, basse. Jean-Luc Geronimi, seconde et terza. Et Paul Giancilli, seconde et terza. Merci beaucoup, merci de votre accueil.